apprenants, nous venons de suivre là un cours de français présenté par Monsieur Adamou. Un grand merci à cet enseignant pour sa présentation. Rendez-vous sur le site www.educhat.td pour suivre à nouveau ce programme ou nous appeler simplement au numéro 1317 pour poser toutes vos questions. Attention, respectons les règles d'hygiène pour éviter de contracter la pandémie COVID-19. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission dédiée à l'enseignement à distance, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et celui des postes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette émission a pour objectif de rapprocher les jeunes apprenants en cette période de la pandémie du COVID afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, la télévision, mais également par Internet. Chers élèves, je suis Adamou Lambreu, professeur de français en classe de 3e. Notre leçon de ce jour porte sur l'expression écrite, portant aussi sur le thème les correspondances. Sans plus tarder, nous vous recommandons d'avoir de quoi écrire pour avancer au même rythme que nous. Voilà, vous devez avoir ce qu'on appelle les cahiers, les livres, en tout cas les cahiers, les bics pour écrire les notes que nous allons vous dicter. Je vous remercie. Comme annoncé, nous avons notre thème de la leçon qui porte sur les correspondances. Nous avons ce qu'on appelle le plan qui est comme le suivant. Nous avons la lettre. Dans la lettre, nous avons deux lettres. Nous avons la lettre professionnelle. Nous avons la lettre privée. Et en grand 2, nous aurons ce qu'on appelle la demande. Et dans la demande, nous allons avoir ce qu'on appelle la structure de la demande. Ainsi, nous définissons ce qu'on appelle une correspondance comme étant un rapport de conformité, de symétrie et de concordance. Dans le cas précis, la correspondance signifie échange, n'est-ce pas, de courrier entre deux interlocuteurs. Ça peut être un interlocuteur A et B. Maintenant, nous allons ce qu'on appelle la lettre professionnelle. Une lettre professionnelle est un écrit qui est destiné à des personnes qui travaillent dans une entreprise, c'est-à-dire un chef et ses collaborateurs. Et dans ces lettres ou dans cette lettre, nous allons avoir ce qu'on appelle les principes ou les démarches. Elle est utilisée pour les fonctionnaires et les agents qui s'adressent, par exemple, à une hiérarchie pour lui expliquer, par exemple, un problème précis. Ainsi, lorsque nous parlons d'une lettre professionnelle, il faut savoir que nous allons avoir ce qu'on appelle la structure qui est à l'extrême gauche, nous aurons ce qu'on appelle les timbres. Le nom et l'adresse, n'est-ce pas, de la personne, et nous aurons ce qu'on appelle la date. Et la date qui se situe légèrement à droite pourra aussi se suivre, n'est-ce pas, de ce que nous appelons aussi l'appellation de votre destinataire. Et cette appellation ne doit pas avoir une confusion lorsque vous vous adressez, même si c'est votre père, vous devez l'appeler par son titre. Ça peut être à monsieur le directeur, ça peut être à monsieur le chef d'entreprise X, ça peut être à monsieur, n'est-ce pas, le coordonnateur, etc. Et là, nous aurons aussi, après les avoir désignés, nous allons mettre ce qu'on appelle l'objet. Au niveau de l'objet, vous allez résumer ce qu'on appelle l'objet dont il est question dans cette lettre. Autrement dit, si c'est une lettre, disons, explicative au sujet d'un problème précis, vous allez peut-être dire,
lettre explicative. Ou bien, vous allez simplement dire, en objet, vous allez dire réception de courrier ou renvoi de courrier ou encore au sujet de X ou X problème. Maintenant, vous allez arriver à ce qu'on appelle l'exposition du problème. L'idée va partir après ce qu'on appelle l'objet. Vous allez envoyer l'idée et l'idée va être démontrée. Et lorsqu'elle va être posée, s'en suivra ce qu'on appelle l'explication ou l'exposition du problème. Et après l'exposition du problème, vous allez arriver à ce qu'on appelle les suggestions, sinon ce que nous voudrions attendre à ce qu'on appelle la fin, n'est-ce pas, de la lettre. Mais ce que nous devons retenir, lorsque c'est une lettre professionnelle, il faut soigner le langage. Utilisez ce qu'on appelle le lexique approprié à votre profession. Lorsque vous êtes médecin, vous ne devez pas utiliser le lexique qui est vulgaire. Vous ne devez pas utiliser ce qu'on appelle les banalités dans ce que vous voulez dire. À ce niveau, vous allez rester dans ce qu'on appelle le vocabulaire, sinon le lexique spécifique ou bien le lexique technique. Par exemple, un médecin dira à son frère ou bien son confrère médecin, pour désigner ce qu'on appelle la peau ou une maladie de peau, il dira une maladie cutanée. Il ne dira pas une maladie de peau à celui qui est médecin comme lui, parce que c'est spécifique et c'est leur domaine. Et ils comprendront. Et lorsque vous êtes un géographe, vous allez utiliser ce qu'on appelle le lexique, n'est-ce pas, du géographe. Et là, il faut éviter ce qu'on appelle les expressions familières. Et lorsque vous écrivez à une hiérarchie, faites un effort de tenir compte, n'est-ce pas, du niveau de langue de la personne qui vous reçoit ou encore le destinataire. Alors, nous passons à ce qu'on appelle la lettre privée. Une lettre privée, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les échanges qui sont entre, n'est-ce pas, deux personnes dans cette lettre précise. Sinon, une lettre privée, elle doit surtout éviter les remplissages. Autrement dit, c'est que vous prenez le coupé-collé ou, disons, vous surchargez votre lettre de ce qui n'est pas utile dans cette lettre. Donc, vous devez tenir compte, n'est-ce pas, de l'essentiel qu'il faut dire. Autrement dit, dans la lettre privée, ça dépend de votre destinataire. Ça peut être « cher frère », ça peut être « cher papa », ça peut être « cher oncle », à l'en-tête, autrement dit, à l'appellation. Et lorsque vous avez ce qu'on appelle les formules, sinon l'introduction ou l'appellation, n'est-ce pas, de la personne à qui vous vous adressez, il vous en suivra ce qu'on appelle le sujet à aborder. Et ce sujet dépendra d'une circonstance à une autre. Puisque nous sommes dans une situation privée, nous ne savons pas ce que vous allez dire à votre destinataire qui est votre, par exemple, oncle. Ça peut être votre grand-père, ça peut être votre père. À ce niveau, nous ne saurions vous dire qu'est-ce qu'il faut utiliser. Mais vous allez rester toujours dans ce qu'on appelle la langue soignée. Autrement dit, vous devez tenir compte, n'est-ce pas, des structures de la phrase française. Vous ne devez pas utiliser ce qu'on appelle le style télégraphique. Vous allez toujours utiliser ce qu'on appelle les phrases françaises simples. Un sujet, un verbe, un complément. Donc, vous allez arriver, après ce qu'on appelle l'appellation, vous allez arriver maintenant au contenu de la lettre. Et le contenu doit aborder, n'est-ce pas, le sujet précis. Lorsque, par exemple, vous êtes un étudiant, vous vous trouvez dans un autre pays, vous voudrez exposer votre problème par rapport à une demande que vous voudrez adresser pour arriver à recevoir quelque chose, vous allez dire « cher parent » ou « cher papa », vous allez d'abord commencer par un bonjour. Et après le bonjour, après la salutation, la politesse, les civilités que vous adressez à votre père, vous arriverez maintenant à ce qu'on appelle le sujet précis. Au sujet, par exemple, de mon inscription, je voudrais simplement vous signaler que l'échéance est, par exemple, proche. Maintenant, vous allez finir par la lettre, par la formule finale ou la conclusion. Vous allez dire, par exemple, « Chers parents, je vous prie de recevoir, par exemple, mes salutations ou bien ce qu'on appelle les gratuités, les salutations distinguées. » Ça, c'est ce qu'on appelle la lettre privée. Maintenant, nous arrivons à ce qu'on appelle la demande. Une demande, c'est quoi?
lorsque vous parlez de ce qu'on appelle la demande, et vous vous rendez compte que c'est un document rédigé par un élève, par un diplômé, par toute personne qui aimerait bien demander, par exemple, un travail, voilà ce que vous devez faire. Nous allons avoir ce qu'on appelle la structure de la demande. Dans la structure, vous allez avoir à l'extrême gauche, suivez bien, à l'extrême gauche de la page, ici par exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle le nom. Le nom, l'adresse. Dans l'adresse, vous pouvez donner votre lieu, ça peut être une ville, ça peut être un quartier, ça peut être un village, ça dépend, ça peut être un arrondissement. Et vous allez, si possible, arriver à donner ce qu'on appelle votre adresse électronique, si possible, le numéro de téléphone. En dessous, légèrement à droite, de votre feuille, vous aurez ce qu'on appelle la date. La date devait être à ce niveau. Et après la date, vous reviendrez à ce qu'on appelle l'appellation officielle. Monsieur le directeur de la brasserie, par exemple, vous ne l'appelez pas par son nom, je dis bien. Vous ne l'appellerez pas par son nom, vous l'appelez même si c'est votre père, même si c'est votre oncle, vous l'appelez par son titre. Le directeur général de l'entreprise telle. Après l'appellation, vous reviendrez à l'objet. L'objet, vous allez par exemple, demande par exemple des vacations, un exemple. Vous allez, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, on dit demande de vacation ou bien contrat de travail. Un exemple. Maintenant, après le contrat de travail, viendra ce qu'on appelle le corps de votre travail. Et vous reprendrez ce qu'on appelle le titre, sinon l'appellation de votre destinataire. Monsieur le directeur X. Le corps de devoir. Lorsque vous arrivez à ce qu'on appelle le corps de devoir, il va falloir résumer ce qu'on appelle l'objet, sinon essayez de détailler l'objet dont il est question. Si c'est un emploi que vous cherchez, vous allez exposer et dans l'emploi que vous allez exposer, vous allez donner votre référence en quelque sorte. Vous êtes licencié, vous êtes docteur, vous êtes, bachelier et qu'est-ce que vous cherchez dans la demande? Ou bien qu'est-ce que vous voulez dans ce qu'on appelle, ce que vous voudrez exprimer à votre destinataire? Maintenant, lorsque vous finissez, il y a ce qu'on appelle la formule finale, la conclusion. Elle est appelée aussi ce qu'on appelle la formule de politesse. Par exemple, espérant recevoir une suite favorable, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes profonds respects. Un exemple. Espérant recevoir une suite favorable, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes profonds respects, par exemple. Donc, à ce niveau, vous avez fini ce qu'on appelle la demande. Ne finissez jamais la demande par une appellation d'impolitesse. Il y a toujours ce qu'on appelle la formule de politesse. Voilà, chers élèves, ce que nous devons retenir des correspondances. Nous avons vu ce qu'on appelle la lettre, et dans les lettres, nous avons ce qu'on appelle la lettre professionnelle, la lettre privée et la demande. Nous vous demandons ceci. Faites une demande à un chef d'entreprise au sujet d'un recrutement. Faites une demande à un chef d'entreprise au sujet d'un recrutement. Faites une demande à un chef d'entreprise au sujet d'un recrutement. Voilà ce que nous allons faire très prochainement et au revoir. Merci. Aujourd'hui, nous allons suivre un cours de français destiné aux élèves de la classe de 3e qui sera présenté par M. Adamou,
Je vous invite à voir de quoi prendre note et surtout être très attentif, très à l'écoute à cet enseignement. Respectons les règles d'hygiène et surtout la distanciation sociale si on est deux ou trois devant la télé.